Votre succès en détection dépend en grande partie de votre technique. Le mouvement de balayage s'effectue de cette manière, tout en avançant pour couvrir le terrain. Le disque doit frôler le sol et rester bien parallèle à celui-ci. Évitez en bout de course de relever le disque de cette manière. Si celui-ci est trop haut par rapport au sol, ce sont en effet des centimètres de perdus en terre. Pour éviter l'usure prématurée de votre disque, due au frottement et au petit choc sur le sol, nous vous conseillons d'utiliser un protège-disque. Quand votre détecteur sonne, et pour ne pas creuser pour rien, vérifiez en croisant. L'objet détecté se trouve au croisement des deux lignes imaginaires que vous venez de tracer sur le sol. Si le balayage d'avant en arrière ne donne pas un signal franc, il s'agit probablement d'un objet en fer. À vous de décider si vous voulez creuser ou non. Lorsque vous penserez avoir localisé une bonne cible, vous devrez creuser. Vous pouvez utiliser de préférence un piochon ou une binette. Quel que soit l'outil que vous utilisez, commencez par creuser de chaque côté de la cible. Faites un trou plus grand que nécessaire. Sortez la terre du trou et ramenez-la vers vous pour extraire l'objet. Vérifiez que ce dernier ne s'y trouve plus. Prenez une poignée de terre dans la main et passez-la sur le disque. Si la motte sonne, c'est que l'objet est dans votre main. Séparez-la en deux et recommencez jusqu'à isoler l'objet. Attention aux montres et boutons métalliques et même aux chaussures de sécurité qui peuvent tromper votre détecteur. Lorsque vous avez terminé, rebouchez bien le trou que vous venez de creuser, afin que personne ne s'y blesse, mais aussi pour donner une image positive et responsable de notre loisir. Un casque d'écoute présente plusieurs avantages. Il vous isole des bruits ambiants et vous permet de vous concentrer sur les sons. Ainsi, un petit son sera mieux ressenti, d'où une détection plus approfondie. De plus, le casque est un gage de discrétion. Vous ne dérangerez plus les autres usagers de la nature et vos découvertes seront plus confidentielles. Un casque enveloppant est préférable. Conçu pour les détecteurs, ils sont en effet légers et sensibles au moindre signal. Vous pouvez cependant opter pour un casque plus léger, un casque oreillette, mais le niveau d'isolation étant moins bon, vous pouvez manquer un faible signal. Que conseillez-vous aux détectoristes qui veulent faire du militariat? De pas du tout faire de recherche sur le militariat. C'est très dangereux et je le déconseille complètement. Si vous trouvez un objet obus, quel qu'il soit, il faut baliser le terrain. Et la meilleure, même encore mieux, c'est avoir une bombe de couleur rouge ou orange et vous marquez l'obus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir la gendarmerie ou un organisme concerné et vous leur signaler. Voilà. Surtout ne pas y toucher.